Bonjour, chers internautes, chers frères et sœurs en Christ, chers amis. Comme vous pouvez le constater, je me situe exactement devant la porte d'entrée de la cathédrale de Saint-Étienne de Metz, qui est donc une cathédrale catholique qui a été construite au XIIIe siècle et donc qui est de style gothique. Alors nous sommes ici à Metz, très grande ville au nord-est de la France, plus précisément en Moselle, et nous allons donc aujourd'hui évoluer dans cette ville pour parler de Jésus-Christ. Voilà. Pourquoi je me présente devant cette cathédrale? Parce que c'est un monument historique, patrimoine français, classé patrimoine. Et donc, mais je peux tout de suite vous préciser que nous ne sommes pas de religion catholique. Nous sommes chrétiens nés de nouveau. Et nous prêchons la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, on ne le trouve pas dans les bâtiments. Alors, les bâtiments de pierre, tels qu'ici, et les gens vont se recueillir dans une église ou une cathédrale, ils cherchent Dieu, alors que Dieu ne se trouve pas dans ces endroits-là, parce que Dieu se révèle dans les cœurs, parce que Dieu est esprit et vie, et s'est révélé à travers Jésus-Christ. Alors, comme vous pouvez le constater, nous voyons même ici devant nous la reine du ciel, donc Marie, qu'ils appellent Marie à l'église catholique, mais qui en fait c'est un culte voué à la reine du ciel. Et vous pourrez même voir, mon mari a fait une émission là-dessus, donc qui parle de la Vierge Marie, la reine du ciel. Vous pourrez donc aller sur notre site et cliquer sur ce thème. Voilà, je vous remercie beaucoup et tout doucement nous allons évoluer dans cette ville et interroger ou évangéliser, témoigner de Jésus-Christ à diverses personnes. Merci de votre attention. Voilà, bonjour, chers internautes. Nous sommes actuellement sur Metz, dans la ville de Metz. Nous accueillons d'ailleurs un homme, un guitariste apparemment. Christian, voilà. Donc nous sommes là effectivement pour parler de Jésus-Christ de Nazareth. Hein, nous aimons Jésus-Christ de Nazareth, nous n'avons pas d'étiquette, nous n'avons pas de religion. Hein, nous sommes là pour prêcher la croix, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ de Nazareth? Oui, bien sûr, oui. Oui. Dites-moi, il est qui pour vous? Qui est-il pour vous? Ben, j'ai pas d'avis à donner, mais je pense que les gens ils devraient déjà lire la Bible, ça serait déjà pas mal. Faire un peu de théologie, ça serait encore mieux. Et là, on arriverait à, je pense, faire quelque chose de bien, quoi. Parce que de but en blanc, comme ça, vous me prenez, qu'on va dire, à brûle-pourpoint, comme ça, je suis... Oh. Et... Non, on manque d'informations. Pour la petite histoire, moi j'étais marié avec une femme qui était musulmane et on s'est très bien entendu, il n'y a pas de frontière dans la religion. Voilà. La religion, qu'est-ce qu'elle pourrait vous apporter, par exemple? Vous êtes d'obédience catholique, je présume? Oui. Oui, qu'est-ce que la religion peut vous apporter, s'il vous plaît? Bon, on dirait un petit peu de sérénité quand même. Voilà. Puis bon, c'est un moyen de peut-être de réfléchir et de se retrouver. Plutôt que de discuter par exemple avec vous, j'ai autant m'asseoir sur un banc et on va dire prier, entre guillemets, je dirais plutôt penser, que de, que de parler quoi. Même si on est seul, on n'est jamais seul de toute façon dans la vie. Bien entendu. Est-ce que pour vous Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Ça, j'ai pas été voir son état civil encore. Je peux pas vous dire. Alors vous croyez à la parole de Dieu, à la Bible? Oui, la Bible, oui. Donc si vous lisez la Bible, effectivement Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est écrit. Oui. Il y a une chose que je ne crois pas, c'est ben, un peu comme les protestants, c'est la Sainte Vierge, bien sûr. Oui. Elle est sainte, elle est vierge en plus. Non, voilà, d'accord. Faut pas nous la faire non plus quand même. Ok, vous ne croyez pas, c'est-à-dire vous ne croyez pas qu'elle est médiatrice, qu'elle intercède pour nous, les pauvres pécheurs?
Non, je veux bien l'admettre. Non, mais c'est sur le principe. Hein. Elle a été visitée par l'Esprit Saint. Si on... Non, non. Il faut rester dans la biologie de la chose, quoi, on va dire. Hein, on tombe pas enceinte comme ça, quoi. Enfin, moi, personnellement, je suis encore jamais tombé enceinte. Bon, alors, je voulais juste dire... Je prends ça à la dérision, mais c'est un sujet qui est quand même, important. Et quand je vois toutes les guerres qu'il y a, les guerres de religion, hein, on prend simplement, si on remonte dans l'histoire, on prend le massacre de la Saint-Barthélemy, qui a été quand même atroce, ben c'est ce qui se repasse en ce moment, mais pas dans un État, mais dans le monde entier. Alors, c'est déplorable, quoi. Tout à fait, même le Moyen-Âge, l'Inquisition. Hein. Oui, l'Inquisition, oui, ça c'est... Voilà. Donc c'était terrible, terrible. Bon, aujourd'hui, nous avons encore cette liberté de pouvoir effectivement nous exprimer librement, on va dire, dans les villes, dans les villages, prêcher Jésus-Christ de Nazareth, mais pour combien de temps encore? Nous ne le savons pas. Pensez-vous que Dieu est présent dans les églises catholiques? Oui, ça c'est encore une question un peu ambiguë, mais je ne saurais pas le dire. Mais je pense que si on prend Jésus qui a chassé les marchands du temple, hein, entre autres. Moi, je vais dans une église parce que c'est un moyen, comme je vous ai dit, parce qu'on a dit que c'était comme ça, mais prier, on peut prier n'importe où, assis sur le bord d'un trottoir. C'est la même chose. Amen, je confirme. Parce que la parole de Dieu nous dit justement, dans la Nouvelle Alliance, la parole nous dit bien que nous sommes devenus une nouvelle créature et que nous sommes le temple de l'Esprit. Donc si nous sommes le temple de l'Esprit, l'Esprit de Dieu habite dans les cœurs et non pas dans les mains faites d'hommes, non pas dans les bâtiments faits de mains d'hommes. Donc effectivement, Jésus-Christ ne se trouve pas, mais exactement, il habite dans le cœur de l'homme. Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde au cœur. Hein? Donc c'est ce qu'on doit prêcher aujourd'hui, hein? Parce que beaucoup de gens pensent, se recueillent effectivement dans les églises de bâtiments, pensant effectivement que Dieu est là, ils se mettent à genoux, ils viennent... Oui, non, je vous coupe parce qu'il y a des gens qui ont besoin de se ressentir, d'avoir un petit endroit un peu, je vais dire cocooning comme ça, plutôt que de prier assis sur un banc, il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils voient une croix, il faut qu'ils... C'est pas pareil. D'accord. Je crois que ce que nous avons besoin, ce n'est pas d'une croix, ce n'est pas d'un bâtiment. Ce que nous avons besoin, vous et moi, c'est la présence de Dieu en nous. La présence de Dieu. Dieu est invisible. Le Père. Vous ne voyez pas qu'il est entre nous là en ce moment? Amen. Tout à fait. Donc, se recueillir dans un endroit, oui, pour prier, pour partager, etc. Mais il n'est pas forcément dans les bâtiments. C'est pour cette raison-là que je dis une religion ne sauve pas. Une religion ne sauve personne. Qu'elle soit évangélique, qu'elle soit baptiste, qu'elle soit pentecôtiste, qu'elle soit catholique, qu'elle soit. Une église ne sauve pas. Parce que. Une institution, pardon, religieuse ne sauve pas. Celui qui sauve, c'est celui qui est mort sur la croix. Et celui qui est mort sur la croix, ce n'est pas Marie. Celui qui est mort sur la croix, c'est le Fils du Dieu vivant qui est Jésus-Christ de Nazareth. Sachant que Marie a également eu d'autres enfants. Est-ce que vous le saviez? Oui, mais alors je ne pourrais plus vous dire leur nom. Hein. Je sais qu'il y a eu... Attendez voir. Non, je ne sais plus. Je pourrais plus vous dire. Quatre fils. Hein. Elle a eu quatre fils. Oui, tout à fait. On n'en parle pas de toute façon. Ça, c'est... Ah non, il ne faut surtout pas en parler. Parce que si on en parle, l'Assomption de Marie tombe à l'eau. Hein? Oui, ben ça. C'est... On est bien d'accord. Hein, parce qu'elle serait plus vierge à ce moment-là. Pardon? Elle ne serait plus vierge à ce moment-là. Oui, oui, ben, je vous dis, vous allez chez les protestants à Sainte-Vierge. Non, il ne faut pas leur en parler. Hein, c'est... Et je veux peut-être rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Qui m'a fortement touché et je pense qui devrait toucher tous ceux qui nous écoutent, à savoir, vous avez bien dit quelque chose, qu'il est important, hein, de connaître la Bible, de lire la Bible parce que c'est la parole de Dieu. Mais lire la Bible comme ça, bêtement, ça ne va pas. Il faut que quelqu'un nous seconde, nous aide à comprendre. Parce qu'il y a des fois où vous pouvez lire 10 fois la même page. Amen. Amen. Et là, effectivement, alors pour ceux qui veulent lire la Bible, je vous recommande quelque chose, c'est de prier Jésus-Christ de Nazareth, le Père aussi. Prier le Père et demander effectivement que le Saint-Esprit vous éclaire. Parce que le Saint-Esprit, Jésus a dit, je vous envoie le Consolateur. Hein, et c'est lui qui va nous faire comprendre la parole de Dieu. Donc, il faut demander à Dieu qu'il nous envoie directement l'Esprit. Parce qu'un homme ne peut pas nous faire comprendre la parole. Il faut que ce soit éclairé. Ce sont des choses spirituelles. Donc, les choses spirituelles, l'homme naturel ne peut pas les recevoir.
pas. Donc il faut effectivement que ce soit une puissance, la puissance de Dieu, l'esprit de Dieu qui se manifeste en nous pour que notre, notre esprit soit, on va dire, en phase avec l'esprit de Dieu. Non, je suis d'accord avec vous. Je vous dis, on peut en parler jusqu'à demain à la même heure. Et on va pouvoir échanger un tas de propos, un tas d'idées comme ça. Et moi, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de continuer comme vous faites là. Il faut éclairer un peu les gens. Gloire à Dieu. Je vous remercie et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et bonne route et vraiment tout le bien pour vous. Mais merci, vous aussi. Je vous retourne tout ça. Merci. Merci à vous, monsieur. Au revoir. Au revoir. Bien vous présenter. Alors je m'appelle Yes. Voilà, très bien. Alors vous habitez à Metz ou bien vous êtes juste de passage? Non, j'habite Metz. Vous habitez Metz même, d'accord. Oui, Metz. Depuis toujours ou Depuis 99. 99, ouais. Ça fait pas mal de temps. Alors nous sommes là parce que nous parlons de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Jésus-Christ? Ouais, un peu, oui, un petit peu, ouais. Oui. Ouais. Dans, à quelle occasion? Bah, c'est des gens qui sont là dans la rue qui parlent de... Comme nous. Comme vous, en fait, voilà. Vous en avez déjà vu d'autres dans la rue Ah oui, presque chaque samedi, on a une équipe qui... Ah, presque chaque samedi. Qui font des chants, qui font des... D'accord, ouais. D'accord. Oui, qui expliquent la religion aux gens, oui, tout à fait. Oui, oui. Est-ce que vous-même, vous avez déjà lu la Bible? Non, pas du tout. Non. Non. Ça, c'est dommage, parce que je vous conseille vraiment de vous instruire, parce que bon... parce que vous êtes de quelle religion, à la base? Je suis religion musulmane. Musulmane, ouais. Oui. Donc, vous lisez le Coran? Le Coran, oui. Vous le pratiquez ou... Pas 200%. D'accord. Non. Donc il y a une chance peut-être d'être plus ouvert à d'autres idéologies ou peut-être même à la Bible. Bah oui, pourquoi pas. Vous l'avez jamais lu la Bible? J'ai jamais lu. Mais... Ah, et oui, pourquoi pas pour le... Pas, bien sûr. Vous avez une Bible chez vous? J'en ai pas. Ah. Malheureusement. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de Jésus-Christ? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça représente pour vous, Jésus-Christ? Alors là, c'est une très bonne question. Sincèrement, qu'est-ce que ça représente? Bah, pour moi, ça représente une religion comme les autres. D'après ce que j'entends, c'est vrai que je ne pratique pas, j'ai jamais lu moi-même, mais ce que j'entends, c'est que ça cite les gens. Est-ce que... Bien évidemment, à s'entendre, pourquoi pas se changer de discours, quelle que soit la religion. Vous savez pourquoi Jésus-Christ est venu parmi les hommes, en fait? Pas vraiment. Son message central, non. C'était quoi? C'était de se repentir de nos péchés. Il disait, repentez-vous de vos péchés, venez à moi, parce que je suis le sauveur du monde. C'est ce qu'il a dit. Tout à fait. Et quand il est mort sur la croix, c'était justement pour se donner en sacrifice sur la croix, pour la rançon de tous nos péchés. En fait, il a pris tous les péchés de toute l'humanité sur lui. Et si vous voulez, il a accompli l'œuvre dans le sens qu'il a accompli la loi. D'accord. Parce que la loi, nous étions tous sous la loi, nous sommes sous la loi. Et sous la loi, nous sommes tous condamnés, parce que nous avons tous transgressé les lois. Parce que les lois de Dieu, elles sont parfaites, elles sont saintes, elles sont pures. Tout à fait. Et nous ne pouvons pas les accomplir. Donc, parce que notre nature à nous, elle est une nature déchue, pécheresse. Et nous avons besoin de la grâce, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour pouvoir accomplir cette loi. Nous ne pouvons pas l'accomplir. Alors Jésus-Christ est venu parmi les hommes pour l'accomplir à notre place. D'accord. Et comme il est l'agneau immolé, parce que d'après la loi, comme nous sommes condamnés, il fallait un sacrifice donc d'animaux, parce que sous la loi, Abraham, par exemple, présenté devant l'autel, devant Dieu, un sacrifice d'un animal pur, sans tache, et qui devait donc asperger le sang sur l'autel.
autel pour purifier le peuple ou lui-même ou sa famille de ce sang, pour nous laver de nos péchés. Mais ça, c'était tous les ans. Tous les ans, il fallait répéter toujours la même chose. Ouais. Hein, et on n'était jamais parfaitement purifié, parce que c'était un animal. Mais là, c'est Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. C'est Dieu qui est venu parmi les hommes et qui s'est révélé. Et qu'il a pris tous ses péchés. Et c'est lui qui a été immolé, l'agneau immolé. Et ce sang qui a coulé sur la croix, c'était pour purifier toute l'humanité, tous les hommes. D'accord. Voilà pourquoi il y a eu ce sacrifice sur la D'accord. croix. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas resté dans le tombeau. La bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité d'entre les morts. Donc il a même vaincu la mort. Est-ce qu'il y a un seul homme sur la terre qui aurait vaincu la mort ? Est-ce que Mahomet a vaincu la mort ? Oui. Il est ressuscité ? Non. Vous voyez ? Le seul qui est ressuscité d'entre les morts, c'est Jésus-Christ. Voilà, il s'est révélé dans le monde, il s'est révélé à ses apôtres, il s'est révélé à pas mal de monde, et à travers le Saint-Esprit, il se révèle encore aujourd'hui. Alors, vous voyez, ça c'est une bonne nouvelle, parce qu'en fait, maintenant nous ne sommes plus sous la loi. Grâce à Jésus, nous sommes sauvés par grâce. Ça veut dire, c'est comme par exemple un roi, vous avez commis une grave faute, ouais. Et vous êtes puni. Voilà, vous devez expier votre faute. Et le roi, il va vous mettre en prison. Tout à fait. Voilà, mais il y a un avocat pour vous. Tout à fait, pour vous défendre. Pour vous défendre, c'est Jésus-Christ. Et lui, il va dire, non, je l'ai gracié, sa faute est expiée, c'est moi qui l'a pris sur la croix. Voilà, et vous êtes sauvés par grâce. Donc délivrés, les péchés sont effacés. Vous n'êtes plus sous la culpabilité, D'accord. plus sous la condamnation, vous êtes sauvés. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que maintenant, parce que je suis sous la grâce, que je peux faire ce que je veux. Oui, ça, non. C'est sûr. Maintenant, j'ai accepté que Jésus soit mon Seigneur aussi. Mon Sauveur, mais mon Seigneur. Mon Seigneur. C'est-à-dire mon Roi. Celui qui règne sur ma vie, dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme. Et ce n'est plus moi qui dirige ma vie. Je ne dis plus, comme beaucoup le disent, moi je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux avec mon corps, je fais ce que je veux. Non, maintenant c'est fini. On ne s'appartient plus. On appartient à Christ parce qu'il nous a rachetés. Il nous a rachetés à un grand prix parce qu'on était perdus. Et il fallait qu'il y ait un rachat, il fallait qu'on soit sauvés, rachetés. Alors on a été rachetés par le sang de Jésus, et nous sommes donc passés de la mort à la vie. Et par Jésus-Christ, nous sommes allés dans un nouveau royaume. Nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance, nous sommes sous la nouvelle alliance. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Et la grâce met en évidence quoi ? L'amour. Parce que Dieu est mort sur la croix par amour pour nous. C'est par amour. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Bah non, je suis entièrement d'accord avec vous. Oui. C'est magnifique. Donc ça veut dire que vous acceptez que Jésus-Christ soit mort pour vous sur la croix. Ah bien sûr. Ah mais c'est magnifique. Est-ce que vous ne voulez pas qu'il soit aussi votre Seigneur ? Bah sincèrement, là vous. Ça coûte un prix. Hein. Ça coûte un prix quand même. Hein, parce que... Vous le savez que ça coûte un prix. Parce que Dieu l'a dit, chemin est étroit et le chemin qui mène au royaume de Dieu. Large est la porte de la perdition. Beaucoup l'empruntent, ce chemin-là. Mais le chemin qui mène à la vie, il est étroit. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Est-ce que vous voudriez être parmi les élus ? Je vais essayer. Il donne la chance à tous. Vous savez ça ? Ah oui. Ah oui. Ah oui. C'est celui qui persévère jusqu'au bout qui héritera du royaume de Dieu. Celui qui persévère, pas celui qui vit là sur le moment, mais qui demain a déjà oublié. Mais c'est celui qui, tous les jours, se consacre à Jésus-Christ. C'est ça le chemin. Bien sûr. C'est un renoncement à soi. C'est un renoncement au monde. Oui. Le monde là, il va passer. Est-ce que vous le pensez ? Bien sûr. C'est un monde de convoitise, vous croyez pas ? Matérialiste. Nous sommes des passages, ouais. Voilà. Tout Notre à fait. Notre patrie n'est pas de ce monde. Non. Nous sommes des étrangers sur la terre, Exactement. Des voyageurs, Exactement. Des pèlerins. Tout à fait. Voilà. Et ben, vous avez tout compris. On a ceux derrière. Que Dieu vous bénisse. Hein. Merci également. Merci beaucoup. Je vous souhaite vraiment de lire la Bible et de chercher Dieu de tout votre cœur. Ici, madame. Franchement, je vais essayer. Merci beaucoup.
comme vous pouvez le constater, nous sommes en plein centre-ville de Metz et nous nous retrouvons sur une zone piétonne. Alors comme vous pouvez le constater autour de nous, les gens sont très 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 pressés. Ils courent, ils courent, ils courent. Ils sont tous, ils ont qu'un seul objectif, c'est de rentrer chez eux parce que bon, ils sortent du travail certainement, d'autres du lycée, d'autres des écoles, etc. Et donc on essaye de un petit peu les attirer pour leur parler de Jésus-Christ, mais ils sont pas du tout intéressés. On se rend compte, c'est vraiment grave. On est vraiment dans les derniers temps de la fin. On se rend compte que les gens n'ont même plus le temps de vous écouter 5 minutes, même pas le temps de leur donner. La plupart, on leur distribue un traité, ils le veulent même pas. Jésus-Christ, ils en veulent pas. Ils disent non, non, Jésus, ça ne nous intéresse pas. Enfin, c'est vraiment désolant. C'est très, très désolant. Voilà, ils sont tous à courir, je ne sais pas après quoi, mais en tout cas, c'est vraiment dommage et désolant pour toute cette génération qui est très très pressée et on ne sait même pas après quoi ils courent. Ils courent, ils courent, ils courent, on ne sait même pas après quoi. Après de la vanité, après de la vanité. Voilà, c'est désolant qu'il est plus qu'important d'évangéliser le monde parce que bientôt, les ténèbres seront tellement épaisses que... Les gens n'auront même plus envie d'écouter la saine doctrine. Chers internautes, chers amis, frères et sœurs en Christ, voilà, comme vous pouvez le constater, nous sommes devant le panneau de Metz. Donc, nous sommes actuellement à 19h30 du soir. Nous avons donc travaillé assidûment pendant toute l'après-midi dans cette ville pour prêcher l'évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et puis là, nous sommes donc devant, à la sortie de cette ville. Et puis, nous avons, voilà, nous allons ranger toutes nos affaires. Et puis, le cœur nous en dit, eh ben, vous pouvez aussi nous envoyer des dons parce que, voilà, nous voulons pour ces dons, nous servirons à acheter de nombreuses Bibles pour les distribuer dans toutes les villes de la France et en l'occurrence à Metz. Voilà, je vous remercie d'avance pour tous les dons et nous remercions d'avance aussi pour nous regarder et pour prier aussi, prier pour nous, aidez-nous dans la prière aussi parce que nous avons besoin de soutien et de prière parce que c'est un grand combat, c'est un combat spirituel. Oui, l'adversaire, il n'est pas content et nous avons beaucoup d'épreuves et nous avons vraiment besoin d'être aussi soutenus dans la prière. Ça ne me paraît pas comme ça, mais je peux vous le dire, hein, c'est pas facile d'aller sur le terrain. L'ennemi est là, mais il est vaincu au nom de Jésus-Christ et nous avons la victoire et nous allons remporter cette victoire chaque jour jusqu'à la fin. Et merci pour vos prières, merci pour vos dons et je vous souhaite encore une bonne soirée et à bientôt.